Eh bien bonjour à tous les amis, c'est KCX et aujourd'hui on se retrouve sur Warframe. Et oui, puisque notre escroc intergalactique est arrivé et on va aller voir d'ailleurs ce qu'il nous propose. Allez, ma petite mag, on y va. Ouais, elle est contente. Elle est heureuse, coucou. Alors, oula, donc Kitir Atmos Diadem qui est plutôt... Ah ouais, j'aime bien. Donc eh bien écoutez, je ne l'ai pas, on va le prendre. 375 000, ouah ça pique. Oui, oui, je sais que c'est un choix excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le slash, là, on a Tempête Vermillion, Temple Royal. Là, on a du skin, de la Siandana, skin, ah, le skin d'hydroïde, voilà, je vous avais dit une fois qu'il reviendrait, et puis, ah, il est revenu. Et le Prisma Veritux. Bon, et eh bien écoutez, aujourd'hui, voilà, on a quand même pas mal de petites choses qui sont plus ou moins intéressantes, hein. Donc on est bien sur PC, je tiens à le rappeler. Par contre, après, bon, au niveau des skins, comme je vous dis toujours, c'est vrai que les skins, c'est important, parce que ça apporte quand même de la beauté à nos Warframes, ou voilà, hein, à nos vaisseaux, etc. Mais ce n'est pas la priorité quand notre petit escroc nous propose des choses. Donc, eh bien écoutez, c'est simple aujourd'hui, prenez Prisma Veritux et Prisma Gracata, puisque ce sont des armes quand même à XP, ça fait toujours du mastery, et le Gracata Prisma est franchement, sincèrement, intéressant. Le Veritux Prisma aussi est plutôt pas mal, bon ça c'est pour les Arkwings, hein, donc dites-vous bien que c'est pas une lame que vous allez avoir dans le dos en arme de mêlée, quand vous êtes à pied, si je peux dire. Donc là c'est vraiment quand on est équipé avec les Arkwings, donc après voilà, ça reste quand même des armes pour XP, ça c'est clair. Ensuite, là c'est pareil, si vous voulez le récupérer, celui-ci c'est pour le tranchant, donc ça c'est pour les armes principales à récupérer également. Ensuite on a beaucoup de stances et c'est des stances qui sont quand même assez intéressantes. Donc Temple Royal, Astral Twilight et en même temps Tempête Vermillon, eh bien écoutez, prenez-les, ça c'est clair. Et puis une fois que vous avez pris quand même un peu tout ça, ce qui fait déjà pas mal, hein, parce qu'il faut vraiment farmer comme un foufou, eh bien écoutez, après vous pouvez vous attaquer au skin immortel, enfin voilà, après bon, même si vous avez déjà tout en haut, bah, prenez le skin immortel, enfin voilà, prenez tous vos skins. Et on a toujours, hein, ça on l'aura tout le temps, la quête Les Sables d'Inaros, donc pour ceux qui souhaitent avoir Inaros et en plus faire cette quête qui est quand même assez intéressante, eh bien écoutez, faites-le. Il faut la prendre, ça c'est clair. Donc voilà, donc bien écoutez, globalement aujourd'hui, il n'y a pas non plus des choses extraordinaires. Mais bon, voilà, moi j'avais pas le Atmos Diadem, donc maintenant c'est fait. et puis voilà quoi. Donc d'ailleurs, je vais vous faire voir là un petit coup rapidement ce que ça donne sur l'opérateur. Donc 3, 2, 1, tac. Voilà, vous avez vu, c'est plutôt joli, c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc et bien écoutez, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. C'était KCLX, et comme on dit chez moi, même we meet again. Allez, ciao.